Yeah, eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas la faire longue, il est 22h27, donc je vais me dépêcher. Que va-t-on voir? On va voir la bêta de SuperTux. Car je suis étonné que personne n'en ait encore parlé. Cette version 0.10, point quelque chose, taguée bêta, est sortie durant le mois de janvier. Et directement, je l'ai testée. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de la présenter. Mais là où je suis étonné, c'est que ben, personne ne l'a présentée. Pourquoi? Vous allez me dire, bah ouais, mais on connaît, hein, SuperTux Car, c'est un must hein, des jeux libres. Oui. Mais cette nouvelle version en bêta, la 0.10.x, je vais aller voir le numéro de version exact, propose enfin de pouvoir jouer en ligne. Oui, oui, oui. En plus de pouvoir jouer donc en réseau donc local, on peut jouer en ligne. On peut créer un serveur, on peut rejoindre un serveur. Vous allez voir, c'est génial. Alors, à l'heure actuelle, j'ai plus de Linux installé, hormis en virtuel. Donc, je vais choisir Ubuntu 18.10 pour faire mon test avec vous. Donc, les perfs ne seront sûrement pas au rendez-vous, même si l'accélération 3D est supporté par est proposé par le machine hôte et supporté par l'invité. Donc je vais faire ceci, voilà, view exclusive mode, on lance Firefox. Voilà. Et on va faire SuperTux Cart. Voilà. On se rend sur le site officiel. Ah voilà. Moi, la version que j'utilisais, ben, c'est la dernière version stable, la 0.9.3. Et ce qu'on va faire, on va se rendre sur. Ouais. Bonne question. Sur SourceForge, voilà. Voilà, c'est ici que je dois venir. Accept. Fichier. Alors, SuperTux Cart. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah voilà, ben c'est 0.10, tout court. 0.10 bêta 1, voilà, sorti le 10 janvier 2019. Donc disponible pour macOS, il y a un fichier .apk, disponible pour ARM. Alors, pour Windows 132 64 bits, et on a le .tar.xz pour Linux. Donc je vais le télécharger. Voilà, enregistré. On patiente. Ça devrait aller vite, plus ou moins. Un peu plus de 6 MO seconde. Allez, moins d'une minute, c'est réglé. Je vais déjà ouvrir le gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Alors, je vais avoir besoin d'une instance terminal. Voilà. On patiente.
Voilà. Téléchargement terminé. Ok. Donc, on va extraire ici. Voilà. On repatiente de nouveau, mais c'est ici, ça devra aller plus vite. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est faire un ls cd téléchargement ls. Voilà, l'extraction a commencé. À 3 MO secondes. 4 MO secondes. 5 MO secondes. 6, ça monte. Allez, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. J'ai dit que je la ferai courte, la vidéo. Imaginez un serveur Blabla Linux pour héberger les parties Super Tuxcart. Ouais. Alors, c'est fait. Donc, ce que je vais faire, l'archive, je n'en ai plus besoin. Voilà, de nouveau ls. Alors, cd. Voilà, ls. Qu'avons-nous ? Ah, on a un point sh. Donc, en théorie, point slash. Voilà. Et on lance le point sh, ça devrait partir. Et ouais, ça part, c'est cool. Et baisser la musique peut-être. Super Tuxcart peut se connecter à un serveur pour télécharger des extensions. Ok. Alors, première chose. Nouveau compte en ligne. Non, compte hors ligne. Non, compte en ligne existant. Oui. Nom local, BBL. Nom d'utilisateur en ligne. Ben moi, c'est Annie. Blabla. Ouais, c'est Annie Blabla. Je pense, je me rappelle plus. Ok, voilà, c'est bon. Alors, première chose, option, se connecter à Internet, oui. Envoyer des statistiques anonymes sur la configuration matérielle, oui. Toujours afficher écran de connexion, non. Activer le chat de la salle d'attente des serveurs Internet, oui. Options diverses, activer les handicaps par joueur, non. Graphisme, on laisse comme ça. Là, on va agrandir un peu, voilà. Conserver. Alors, audio, interface utilisateur, afficher le nombre d'images par seconde dans la VM, on va se marrer. Écran partagé multijoueur horizontalement, oui. Joueur. Mémoriser mot de passe. Commande. Ok. Alors, ça va comment? Gauche, droite, haut, bas, espace, tiré. Ok. Langue, c'est bon. Ben, c'est parti. On va faire mode histoire non, solo non, multijoueur local, ben non, parce qu'il faudrait qu'il y ait une autre machine avec Super Tuxcart en local. Donc on va faire en ligne, ah, réseau local non, réseau global, oui c'est ça que je vais utiliser, André l'adresse du serveur non, donc réseau global. Voilà, trouver un serveur, créer un serveur, partie rapide. Trouve un serveur. Alors le problème, c'est qu'il faut trouver un serveur. Ah ben voilà. Regardez, il y a des serveurs avec des joueurs, c'est cool. Voilà. On va essayer celui-là. Intermédiaire, Super Tux. Celui-là.
Allez, on essaye. Juste voir si ça va déjà. On voit le nom de joueur. Si je clique, j'ai les infos sur l'utilisateur, voyez. Ça, c'est moi. Yeah. On patiente. Ouais, mais il faut attendre la fin de la partie. Ça va prendre du temps. Celui-là. Début dans 56 secondes ou lorsque tout le monde aura pressé le bouton prêt. Oufti, 7 millisecondes de ping. Waouh. Attention que ce n'est qu'une version bêta encore, hein, donc il faut être un minimum indulgent. Je sais que sous Windows, quand je l'ai testé durant janvier, sous la version donc Windows, donc le .exe, que ce soit en architecture 32/64, ne fonctionnait pas. Ah. Ouais, ok. On rejoint déjà le serveur, hein? C'est cool. Je suis en VM, donc il y a un temps de latence dans les commandes. Enfin, ça fonctionne. Trouve un serveur, je vais tester encore avec un autre serveur. Attends un peu. Novice, intermédiaire. Allez, on teste celui-là. Ouais, mais ça va prendre trop de temps. Hein. Oufti. Ouais, c'est bon. Ça va prendre trop de temps. Partie rapide, ça marche? La partie va commencer si s'il y a plus qu'un joueur. Ok. Créer un serveur, ça marche? Serveur de Annie Blabla. Et alors si ça fonctionne. De. Si je fais ça. Voilà, donc de blabla Linux, nombre de joueurs maximal 8, difficulté intermédiaire, ça on va désactiver, créer. Et oui, apparemment, ça fonctionne. Donc, intermédiaire, course normale. Ah, génial. Ça fonctionne. C'est cool. Ben voilà.
J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, mais voilà, c'était pour vous montrer cette version bêta 0.10 de SuperToxCart et son mode online, qui je pense va faire des heureux, moi en premier, parce que je l'attendais depuis longtemps. Allez, sur ce, je vous dis bye bye, une prochaine. Allez, ciao ciao.